Portez-vous ! Stop ! Ouvrez le banc ! Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, dans sa séance du 22 décembre 1894, a reconnu, à l'unanimité des voix, le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, coupable du crime de haute trahison, et l'a condamné, à l'unanimité des voix, à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Soldats, on dégrade un innocent. On déshonore un innocent. Vive la France. Vive l'armée. Quoi a-t-il l'air, Picard ? D'un tailleur juif qui pleure tout son or qui va à la poubelle. Les chrétiens aux lions, nous, on leur donne des juifs. Ouais, c'est ça le progrès, hein, j'imagine.